Salut les amis, bon, on se retrouve comme vous pouvez le voir dans les rues de Bordeaux. Donc pour ceux qui connaissent, franchement c'est une ville super sympa. On va tourner l'épisode 2 des portraits d'inconnus dans la rue. Le temps est cool, il fait super beau, il fait super chaud. Les gens sont en vacances, les gens sont décontractés. Je pense qu'on va avoir de vraiment bons résultats. En tout cas j'espère que ça va vous plaire, la première vous a beaucoup plu en tout cas. J'ai eu énormément de retours de votre part, ça me fait très très plaisir. Continuez comme ça, être actif dans les commentaires, surtout s'ils sont constructifs, c'est vraiment chouette. Moi ça me donne un retour, ça me motive et ça me donne envie de faire encore plus de contenu, donc c'est super cool. N'hésitez pas à partager, etc. Bref, la routine habituelle. Simplement, je voulais vous dire que les deux premiers portraits se déroulent à Lille. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je suis parti il y a quelques semaines à Lille faire des portraits d'inconnus, en fait, pour, voilà, j'aimerais bien en fait changer de ville de temps en temps pour essayer de voir comment ça se passe ailleurs, en fait, tout simplement. Le problème de Lille, c'est que les rues sont très étroites, il y a beaucoup de monde le samedi, mais pas forcément les bonnes personnes, dans le sens où c'est des familles, beaucoup de familles, beaucoup de gens en couple, peu de gens seuls, peu de gens qui travaillent, et du coup, très peu de gens à aborder. En tout cas, j'ai pas eu ce feeling que j'ai eu à Paris, que certainement je vais avoir aujourd'hui. Donc j'ai marché 3 heures dans les rues de Lille et pourtant j'ai fait que 2 portraits. De personnes très très sympas mais qui travaillaient en post-club, voilà. Le profil, on va dire, un peu classique, facile à aborder. Désolé, je change de bras parce que ça devient hyper lourd ce truc. J'ai toujours la pression, on pourrait croire qu'après la première expérience ça va mieux. D'ailleurs, vous êtes nombreux à me dire que c'est difficile de vous lancer parce que il y a la pression du moment, aborder les gens c'est pas simple. Et c'est vraiment pas simple, je vous l'accorde. Et là encore, malgré le fait de l'avoir déjà fait à Paris, en fait, je suis toujours un peu stressé de la réaction des gens, en fait, tout simplement. Donc on va voir si les Bordelais méritent leur réputation. Donc je vous laisse avec ces deux portraits qui se déroulent donc à Lille. Et ensuite, on passe sur une autre série de portraits qui se déroulera à Bordeaux et que je vais aller faire maintenant. Allez, on se retrouve en fin de vidéo. Ciao. Voir quand tout se tait de la main fenêtre. Il est qu'on lui parlait de rose et de comment. Je sais qu'on lui parlait. Bonjour, excusez-moi. Bonjour, je suis photographe de rue. Oui. Je fais des portraits d'inconnus dans la rue en vue d'en faire de l'argentique, de les envoyer aux personnes et d'en faire une petite vidéo sur ma chaîne YouTube. Est-ce que ça t'intéresserait de te prêter au jeu? Ça m'intéresserait vachement, mais je suis en pause, je travaille chez Memento et genre j'ai 3 minutes. Mais j'en ai vraiment pour une okay. Minute quoi. Et bah pas. Super, et bah, ça te va? Ouais, carrément. Super. En espérant que j'ai pas de moustache de chocolat. Non, ça va, t'inquiète. Bah écoute, reste naturel et va. Puis je vais en faire deux quoi. Et... tu peux regarder juste sans baisser la tête, mais regarder juste un petit peu vers le bas, par exemple, ou vers le bas par là, tu vois. Super, j'en ferai une de face. Là, tu peux me regarder directement. Il est qu'on lui parlait de rose et à ma fenêtre. Cette chanson-là. Super, merci beaucoup. Eh ben, merci à toi. C'est quoi ton prénom? Églantine. Églantine, enchanté Thomas. Enchanté Thomas. Je peux prendre ton email comme ça, merci. Je te la fais parvenir dès qu'elle est numérisée. Ah, super. Ça, hop. Ok, hop. Ça marche. Je te laisse merci mon... beaucoup. Bah, merci à toi, bonne journée. Bonne journée, bon courage pour le taf. Merci beaucoup. Salut. Voir quand tout se tait, car de la main fenêtre. Voir quand tout se tait, car de la main fenêtre. Il est qu'on lui parlait de rose et de comment. Bonjour, bonjour, excusez-moi de me déranger. Je suis photographe de rue, je réalise des portraits d'inconnus dans la rue pour un petit projet vidéo, c'est une petite expérience personnelle. Est-ce que ça te dérange? Ouais, non, c'est ok? Bon, super. C'est en argentique, je pourrais la numériser et te l'envoyer ensuite par mail. Ouais. Et du coup, je filme mon expérience pour en faire une petite vidéo. Allez. Ça te va? Ouais, bien sûr. Est-ce que ça te dérange qu'on se rapproche un peu plus de la lumière? Non, ça va pas du tout. Merci. Écoute, on peut rester avec le fond ici. Ouais. Et c'est nous qui encore un petit peu comme ça. Ouais, nickel, pardon. Pardon. Super. Est-ce que tu peux t'orienter par là? Je vais le mettre un petit peu sur le côté. Et tu peux même fumer si tu veux. Ouais, comme ça. C'est vrai, hein. Je sais c'est plus très bien. Remontez-le. Super, merci beaucoup. Mais ça toute la journée? Ouais, je passe l'après-midi ici et puis j'en profite vu que je suis là sur le week-end. Je viens de Paris en fait. Ah. Et j'ai déjà fait l'expérience à Paris.
si tu veux aller voir sur ma chaîne, je pourrais t'envoyer le lien au moment où je t'envoie la photo. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je t'en prie. Pourquoi bonne journée. Salut. T'en vas pas comme ça, sans me donner la moindre chance. Bon, excusez-moi, je suis photographe de rue. En fait, j'ai un projet photo dans les rues de Bordeaux. Je prends photo des inconnus en portrait, en argentique. Et après, je leur envoie numérisé. Et en fait, j'en fais une petite vidéo pour ma chaîne YouTube. Que ça t'intéresserait de te prêter au jeu, là, il y en a pour une seconde. Complètement gratos, c'est vraiment personnel et super. T'es au travail ? Putain. Est-ce que ça te dit, on peut se mettre au milieu de l'avenue, comme ça je t'aurai avec la rue derrière, ça peut être cool. Nickel. Après, reste naturel, reste toi-même, et puis. Carrément. Là, c'est bien. Super, merci beaucoup. Ton prénom c'est comment ? Enzo. Enzo. Écoute, moi c'est Thomas, enchanté. Tiens, je te laisse noter ton email juste ici, s'il te plaît. Tu bosses là avec ton collègue qui est là, c'est ça ? Ouais, enfin il y en a un autre qui est dans le bâtiment, on se chie à tirer la fibre optique. Ah ouais ? Ouais. Ça y est, ça arrive. Je vois bien qu'il arrive chez moi. Merci beaucoup Enzo. Je t'envoie ça d'ici 15 jours à peu près. Oui, je vais aller numériser la péloche la semaine prochaine. Ouais. Donc je t'envoie ça la semaine prochaine. Okay, ça roule. Merci, bon courage. Bonne chance. Ciao. Bonjour, excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Je suis désolé de vous couper dans votre élan. Je suis photographe de rue, je m'appelle Thomas. Et en fait, j'ai un petit projet photo. Consiste à prendre en photo des inconnus dans la rue. Ok. J'ai déjà fait une fois dans une vidéo YouTube. Mm-hmm. En fait, je filme mon expérience ici. Donc, est-ce que ça te dirait de te prêter au jeu ? Oui, si tu veux. C'est vrai ? Bon, super. Ça va pas prendre très très longtemps, je te rassure. Et puis ensuite, comme c'est de l'argentique, je pourrais te l'envoyer par mail une fois qu'elle sera numérisée. D'accord ? Oui, sérieusement. Ouais, c'est parti. Écoute, tu peux rester naturel. C'est comment ton prénom ? Claire. Claire ? Chanté Claire. Écoute, ouais, tu peux rester, tu sais, un peu de trois quarts et puis me regarder par contre, d'accord ? On peut se décaler par ici, s'il te plaît, parce qu'il y a la voiture, c'est pas très beau. Ouais, comme ça, c'est parfait. Ok, merci. Je vais en faire une autre pour être sûr. Merci beaucoup. Merci. Je vais prendre ton email. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Claire. Merci. Bonne journée. Courage. Salut. Excusez-moi, je suis vraiment désolé de vous déranger dans votre petit repos. En fait, je suis photographe de... French. Ah, yeah, ok. Et you speak French? Oui. Yeah. Je suis photographe de rue et je réalise des portraits d'inconnus dans la rue. Oui. En argentique. Ensuite, en argentique, c'est analog film. Yeah. Okay. Et je les envoie aux personnes. Et en fait, je fais une petite vidéo que je mets sur ma chaîne YouTube pour filmer la réaction des gens un petit peu, pour voir leur approche par rapport à la mienne. Voilà. Est-ce que ça t'intéresserait de te prêter au jeu? Ah bah c'est de te prendre en photo en fait, tout simplement. Non, il y a zéro question, c'est juste okay. En fait je te prends en photo et ensuite je te l'enverrai par email si tu souhaites. Voilà. C'est comme tu veux. Tu es la cinquième personne aujourd'hui, si ça peut te rassurer. C'est complètement gratuit. Je préfère préciser, il y a des gens qui ont un peu peur. Mm-hmm.
mais c'est complètement gratuit, c'est un projet personnel en fait. Je l'ai déjà fait à Paris une fois et j'ai déjà une vidéo en ligne si tu veux la voir. En fait, moi je connais pas trop ce qui se passe en France parce que j'habite aux Pays-Bas. Ouais. Je viens de Rotterdam. D'accord. Je suis juste là pour 3 jours. D'accord, ok. Bon, c'est pas gênant. J'ai beaucoup d'étrangers que j'ai pris en photo déjà. Enfin, si ça peut te rassurer en tout cas. Non, j'ai pas peur. Comme tu veux. Tu me dis oui ou non. Moi, c'est. Ça te va? Mmh. En plus, je trouve le cadre sympa avec ton vélo et tout, c'est chouette. Oui, c'est. C'est pour ça que je trouve ça original. Donc, Je sais là, j'avais pas si j'avais le droit, mais. Oh, si. Bah, tu es pas la seule, il y en a plein. Ouais, j'essaie de regarder autour, il n'y avait pas de vélo attaché, donc j'ai pris avec moi. Non, t'inquiète pas. Alors, hop, c'est parti. C'est gênant. Ok. Juste une dernière et puis on est bon. Super. Merci beaucoup. Comment c'est ton prénom ? Sarah. Sarah Thomas, enchantée. Ah. Du coup, tu es ici depuis combien de temps là ? Depuis hier. Merci et, beaucoup. J'étais en fait en voyage en Espagne. D'accord. Catalogne. Et, yes. Et dans 3 jours, je pars sur Paris, ensuite je reviens et ensuite je repars au Pays-Bas. D'accord. C'est un beau petit voyage. Ouais. C'est cool. Et je vais bientôt à Amsterdam, moi. Ok, c'est cool. Pour la première fois. Ah, c'est génial. Et je pense que je vais adorer. Tu vas adorer, c'est la bonne saison. Et. Bon, j'y vais cet été, par contre. J'y vais normalement, peut-être en septembre d'ailleurs, je ne sais pas trop encore. Soit en juin, soit en septembre. Ça va être en juin. C'est mieux ? Ah non, c'est plein. Ouais. C'est très touristique. D'accord. C'est pas très plaisant. D'accord. C'est génial parce qu'il fait beau. Ouais. Et en septembre, c'est encore mieux. Parce que le temps est encore bien et il y a moins de touristes. D'accord. Mais tu vas t'éclater, c'est génial. Ouais. C'est une belle ville. Trop bien. Bon, ben, j'irai en septembre. Donc voilà. Ok, Thomas. Bon, ben, super. Je t'embête pas plus. Je te laisse te reposer. Merci en tout cas beaucoup bonne pour journée. Ton temps. Merci pour ton temps. C'était super agréable. À bientôt. À bientôt. Salut. Déranger. Je suis photographe de rue, ouais. Je m'appelle Thomas, enchanté. Je prends des portraits de rue d'inconnus. D'accord. J'en fais une petite vidéo pour ma chaîne YouTube, mm-hmm. C'est la deuxième, donc si ça te tente, ouais. Et si tu n'as pas peur, on peut... Un peu, j'y vais très timide, mais... C'est vrai ? Ouais. Bah écoute, si ça peut t'aider, et puis après, toi, moi, en fait... Drôle. Ah, détends-toi, moi c'est un exercice aussi pour moi, d'accord ? Et je fais tout en argentique, d'accord. Donc ça te fera une jolie photo en noir et blanc pour toi. Je peux te l'envoyer par email une fois qu'elle sera numérisée. Okay. Si ça te va. Ouais, ça va. C'est ouais, si tu veux. Bon, allez, super. Je sais pas. Je vais pas trop te diriger. L'idée, c'est de rester vraiment naturel, d'accord, d'accord. Et puis, sois toi-même. Je te regarde. Ouais, tu vas me regarder. Juste, je vais te dire un petit peu juste comment tourner et me regarder, mais c'est tout, quoi. Pas plus. Ouais, tu peux juste, tu vois, te tourner un petit peu par là. Voilà. Juste, ouais, au niveau du corps. Et puis me regarder, du coup. J'en fais une petite deuxième au cas où. Super, merci beaucoup. Ton prénom c'est comment ? Jade, enchantée. Je te laisse mon nom, enfin je te laisse noter ton email comme ça. Je te l'envoie d'ici une dizaine de jours à peu près. Ok, ça marche. Voilà. Et du coup, c'est quoi le projet ? Ouais, ben en fait, c'est purement personnel. Moi, j'aime bien la. En fait, je suis vidéaste, mais j'aime beaucoup la photo. Et du coup, comme je connais pas trop encore l'argentique, c'est une occasion de m'entraîner et puis de sortir un peu de ma zone de confort, tu vois. En fait, c'est un peu comme toi quand tu dis que tu es timide. Moi, c'est pareil. Le fait d'aller auprès des gens, c'est pas facile, tu vois. Donc, j'essaie de repérer comme ça, vite fait, d'un coup d'œil si les gens ont, comme j'appelle, une gueule, entre guillemets, tu vois. Un portrait intéressant. Et voilà, quoi. Cool. Bon, merci beaucoup. Bon courage à toi. Merci, à plus tard. Ciao. I've no threats fastening me to anything. I can go anywhere. I seem to have been given the freedom of this place. What am I?
monsieur. Bonjour, excusez-moi. Excusez-moi, je suis photographe de rue et je prends des photos de gens dans la rue au hasard. C'est complètement gratuit, c'est pour moi, un projet personnel. C'est pas grave. Bonne journée, au revoir. Salut. Salut. Excuse-moi, ouais. Je suis photographe de rue. Ouais. Et j'ai été attiré par ton skate rue du Com. Ah, il est un peu loin, ouais. Est-ce que ça te dérangerait si je te prends en photo dans la non, rue pas avec du ton tout. Skate, du coup, ça peut être cool. Non, pas du tout, ouais. Et en fait, je t'explique vite, fais ma petite démarche là, parce que je réalise une petite vidéo en parallèle. En fait, c'est à destination de ma chaîne YouTube. Normalement, je prends des portraits de gens un peu classiques dans la rue en argentique. Ensuite, je leur envoie par email et en fait, je filme leur réaction. J'en fais une petite vidéo. Ok, ça marche. Donc si ça te va, si tu peux te prêter au jeu, c'est cool. Ouais, pas de soucis. On peut se faire ça. Nickel. Ce qui ouais. pourrait être pas mal, c'est de t'avoir à côté la planche debout, ouais. Tu sais, histoire de voir un peu la taille qu'elle fait, ça peut être sympa. Yes, nickel. Super. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est comment ton prénom ? Marco. Marco, enchanté. Thomas. Enchanté. Tiens, je t'envoie, je te file mon... Enfin, je vais te demander de noter ton mail si ça te dérange pas. Yes, pas de soucis. Quand mon téléphone voudrait bien fonctionner. Hop. Du coup, ça se roule sur du plat, ça se roule partout, c'est tout terrain, c'est quoi ? Ouais, vu la taille mieux, des roues... C'est mieux sur les plats, mais après, par exemple, si tu prends des bosses, des trottoirs et ouais. tout ça, c'est solide, ça bouge pas trop. Mais ça porte un nom, c'est la famille des longboards, c'est quoi ? C'est... Je sais plus comment ça s'appelle, c'est un ami à moi qui l'est fait. Ah ouais, cool. Merci. Faudrait que je lui demande le nom, mais... D'accord. Il est fabrique, il a sa boîte et tout, alors. Junker, je crois pas. Ok. Et ouais, en fait, c'est... Il... Ah bah, il fait ça avec des pins des Landes. D'accord. Ah, stylé. C'est voilà. bien maniable et tout, ça va. Ouais, c'est... T'as l'habitude de faire du skate normal, d'habitude et... Non, je sais pas, si je fais tout de longboard. D'accord. Parce que... Tout ce qui est chute et tout ça, c'est pas trop mon truc, ouais, ouais, juste ouais. de la balade. Chouette. Voilà. Bon bah écoute, super, merci, bonne continuation. Avec plaisir. Et puis je t'envoie la photo d'ici une dizaine de yes. jours, le temps de numériser tout ça. Et puis, pas de soucis, voilà. Bonne journée, bonsoir. Merci, ciao. Excusez-moi, je suis photographe de rue, ouais. Je prends des portraits de gens dans la rue pour un projet vidéo en fait, pour ma chaîne YouTube. Okay. En fait, j'aimerais remarquer toi par rapport à ton look okay. qui est vraiment cool. Est-ce que ça te dérangerait d'être prête au jeu? Là, je suis sur l'heure de travail. C'est toi qui vois, j'en ai vraiment pour 30 secondes. Ok, bon. Plutôt, ouais, vrai. J'aimerais bien tenter un truc entre les deux si ça te dérange pas. Hyper rapide, par ouais, contre, super rapide. Je te promets rapide. Ok. 30 secondes, merci. Tu peux rester naturel, tu peux fumer ta clope tranquille, pas de soucis. Est-ce que tu peux te décaler un tout petit peu ? Ouais, voilà, parfait. Ok, une petite dernière et on est bon. Parfait. C'est bon ? Merci beaucoup. Super. Je vais prendre ton email, comme ça je pourrais te l'envoyer. Ça marche ? Ok, super, ça voilà. marche. Et nous dit Pix si tu veux aller voir, si vous voulez aller voir, une petite vidéo. Je l'ai déjà fait dans Paris en fait, l'expérience. Ok. Donc je reproduis là pour voir un petit peu comment ça se passe. Ça marche. Mais c'est cool, j'ai plus de gens qui me disent oui, donc c'est parfait. C'est Bordeaux, du coup c'est cool. ça ton prénom juste ? Thomas. Ah, putain. Super. Voilà, merci beaucoup. Bon courage. Bon ciao. Journée. Bonjour, excusez-moi. Sorry, what is it? You speak English? Yeah.
sorry, I'm photographer, a street photographer, yeah? Uh-huh. And I realized some portrait of stranger in the street for a personal project. It's totally free. Oh, sure. Do you agree? Yeah? Yeah. Okay, let's go. Okay, very cool. Thank you, Eden. Yeah. Email or? Yeah. It's different, it's not a creative. Add the ad just here and here. Ah, okay. Cool. Okay. Yeah? Alright, I'll take okay. your word for it. Thank you very much. Right, enjoy that. See you. Bye. Salut les amis, comment allez-vous? Moi ça va pas mal, on se retrouve chez moi pour un petit débrief du coup suite à la vidéo que vous venez de voir. J'espère qu'elle vous a plu déjà dans un premier temps. Personnellement ça m'a super plu, comme vous avez pu le voir j'ai eu très peu de refus cette fois. Un seul refus pour le nombre de portraits que j'ai réalisé. Donc franchement c'est chouette, super rencontre, super feeling à Bordeaux, des gens super sympas, des rencontres extraordinaires. Donc Lille reste en tête malgré tout avec un 100% d'acceptation puisque j'ai eu que deux portraits là-bas et que c'était 2-8. Mais bon c'est un peu de la triche, je vous l'accorde, deux portraits c'est trop peu pour juger donc vraiment Lille, je reviendrai. En tout cas à Bordeaux c'était super, j'ai eu un super feeling, j'ai réussi à aborder pas mal de gens. J'ai été un peu plus exigeant que d'habitude ceci dit, donc j'ai abordé moins de personnes. Donc j'ai marché tout autant, 3 heures, 3 bonnes heures dans les rues de Bordeaux facile. Un peu plus exigeant dans le sens où j'attendais vraiment d'avoir la bonne personne, toujours au feeling mais sans aborder n'importe qui. Donc en plus de ça j'ai eu la chance de rencontrer une dame d'un certain âge qui a accepté que je la prenne en photo. Ceci dit elle a refusé que je publie sa photo malheureusement et la vidéo, c'est vraiment dommage. Je suis vraiment triste de ça puisque c'était vraiment une chouette rencontre. Le portrait est vraiment chouette en plus. J'espère qu'elle reviendra sur sa décision. Je lui ai envoyé un petit mail pour voir un petit peu son avis avec la première vidéo à Paris pour qu'elle puisse se rendre compte déjà de ma démarche. Donc j'espère qu'elle reviendra dessus, auquel cas je posterai sa photo sur Instagram si vraiment Monique veut bien se décider. Et sinon, bah, tant pis, ça sera pour la prochaine fois, pour le prochain exercice. Donc voilà, encore une fois, un petit peu comme à Paris, c'est difficile de se rendre compte et de porter un jugement sur l'ouverture d'esprit des gens dans la rue, puisque c'est un petit panel. On est conscients tous qu'il va falloir faire l'expérience sur un gros nombre de personnes pour pouvoir se rendre compte vraiment de l'état d'esprit des gens. Et en plus de ça, à différents moments, puisque là, il faisait beau, c'était pendant les vacances, les gens étaient vraiment de bonne volonté. Un petit peu différent quand même du contexte à Paris du premier épisode. Donc voilà. Quant aux améliorations techniques, j'espère qu'elles vous ont plu. J'ai stabilisé ma GoPro au mieux pour essayer que ce soit au moins vomitif possible. J'ai également réalisé la petite intro que vous avez vue et puis j'ai porté quelques améliorations, le changement de pellicule notamment, des choses comme ça. J'espère que ça vous a plu. J'envisage un épisode 3 dans le même format. Par contre, je vais essayer de changer encore des choses. Donc peut-être passer au numérique au niveau de la photo ou à l'argentique couleur, pourquoi pas essayer de thématiser en choisissant des personnes ciblées d'un type particulier, pourquoi pas, je sais pas trop. Quant à vous, j'espère que ça vous a plu aussi, j'attends de vous des retours. Je sais que vous avez été très nombreux dans la première vidéo à me faire vos retours. Quand ils sont constructifs, c'est encore mieux, ça me met de l'eau à mon moulin, ça me permet de m'améliorer. C'est d'autant plus valorisant, donc n'hésitez pas à vous lâcher dans l'espace commentaire et je vous lirai, je vous répondrai sans problème. Voilà, je vais vous laisser là-dessus, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à partager la vidéo et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode, pourquoi pas. Allez, salut, ciao.